ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Regarde loin, le phare brille.
j'écris le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Indescriptible majesté, nos mots sont dépassés face à tant de beauté. Nous élevons nos mains, nos cœurs s'unissent au ciel. Nous voici dans la présence du Père. Nous élevons nos mains, nos cœurs s'unissent au ciel. Nous voici dans la présence du Père. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Fais dans la présence du Père.
dans le lieu saint. À lui le règne et la puissance. Faisons monter notre reconnaissance. D'un même amour, d'un même cœur, nous entrons tous ensemble dans le lieu saint. À lui le règne et la puissance. Faisons monter
n'aie pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Est-ce que Christ est votre joie? Bon, vérifiez avec vos yeux si votre voisin a la joie. C'est pas tout de dire Christ est ma joie, il faut que ça se voit. Profitez-en pour le saluer, pour le serrer. La Bible dit, saluez-vous par un saint baiser. Pas par quatre, pas par trois, par un saint baiser. Je vous embrasse, vous tous qui êtes en direct. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit. Promesse envers toi, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il C'est beau comme on s'est trompé, hein. Vous avez entendu cette distorsion de son? Qui l'a entendu? Ah ben, il y en a peu qui l'ont entendu, donc c'est pas grave. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Nous crions ensemble, vie
Élève ta voix, Seigneur, nous te bénissons parce que ce lieu est rempli de ta gloire à cause de ta présence. N'as-tu pas promis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous proclamons que tu es là au milieu de nous. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Nous te glorifions pour ce que tu fais.
Tu es ce roi éternel dans lequel il n'y a pas l'ombre d'une variation. Tu demeures. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu es là au milieu de ton peuple ce matin. Tu es là au milieu de tes fils et de tes filles. Tu es là au milieu de tes enfants. Tu es là au milieu de ta famille. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te célébrons. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Nous te glorifions ce matin. Mon âme se réjouit en l'Éternel. Mon âme se réjouit dans le Très-Haut. Élève ta voix, mon frère et ma sœur. Réjouis-toi en sa présence. Tout est possible à celui qui croit. Parce que là où se trouve le Seigneur, l'impossible devient possible. Nous te bénissons. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Yeah.
Encore souffle.
continuer à l'adorer dans l'esprit, selon la mélodie que le Seigneur vous donne. T'adorer, toi seul est digne.
présence je me tiens. Dans ta présence je me tiens. Tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, vivant sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Acclamons le Seigneur béni. Le seul est digne, le seul est digne. Est-ce que le violon et le clavier peuvent le reprendre? Toi seul est digne, il y a la présence du Seigneur. Des malades sont guéris ce matin, mais en particulier, une personne qui est venue avec un problème récurrent qu'elle a depuis longtemps, ce sont des tendinites. Et des tendinites dans les deux avant-bras. Ce qui, pour d'autres, semble secondaire et passager pour vous, est devenu un handicap qui remet même en question votre profession. Vous vous êtes déjà posé la question, quelle profession vous pourriez faire? Que pourriez-vous changer? Ces tendinites sont souvent dans vos avant-bras, mais parfois vous les avez même dans la partie haute de votre bras, au niveau du coude. Et ça irradie et vous. Et tu es là et tu dis, mais je ne vais pas pouvoir continuer à faire le travail que je fais. Et le Seigneur te dit, le temps viendra où tu changeras de travail. Mais quand tu changeras, ce ne sera pas à cause de tes douleurs et de tes souffrances. Ce sera parce que moi j'ai décidé de te mener ailleurs et de te faire faire autre chose. C'est pourquoi je te guéris aujourd'hui. Je te guéris, tu exerceras ton métier. Tu le feras de tout ton cœur. Ce n'est pas la douleur qui va t'arrêter, qui sera un signe pour toi de changer. Ce sera moi qui t'arrêterai au temps voulu pour que tu entres dans les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. En attendant, tu vas continuer ce que tu fais et tu pourras continuer parce que ces tendinites vont totalement disparaître. Ton métier restera toujours aussi dur, ce que tu fais sera toujours aussi défiant, mais tu n'auras plus de souffrance. C'est moi qui te guéris, te dit le Seigneur. Le Seigneur est là et il y a une sœur qui est venue, vous avez des problèmes
au niveau biliaire, et le Seigneur veut vous toucher ce matin. Il veut vous libérer, il veut vous guérir, il veut vous accorder sa grâce. Il y a une amie, ma soeur, vous êtes de passage, vous n'êtes pas de l'église, vous êtes juste de passage. Et vous souffrez d'une sciatique, mais depuis des mois, ce n'est pas juste depuis une semaine, mais c'est depuis des mois, ça vous tire dans la jambe gauche, au stade où souvent vous pleurez de douleur. Et vous aussi, vous dites, mais Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas encore libéré? Et le Seigneur vous dit simplement, ce matin, c'est mon rendez-vous avec toi. Ce matin, je te touche. Ce matin, je te guéris. Lorsque vous êtes venu assise dans la voiture, c'était souvent difficile. Mais je peux vous assurer, vous allez partir. Non seulement assise, vous serez bien, mais debout, vous serez bien. Vous marcherez, vous n'aurez plus de sciatique. Le Seigneur vous en guérit totalement. J'aimerais vous inviter à mettre la main là où vous souffrez. Avant que nous acclamions le Seigneur, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et il y a encore une personne. Et vous avez des inflammations des tendons. Alors, je ne suis pas médecin et je ne sais pas ce que cela produit, mais Dieu me dit clairement qu'il y a quelqu'un qui a des inflammations des tendons. Et ces inflammations, chez vous, c'est chronique, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça vous handicape réellement. On essaye de vous soigner, on vous accompagne, on essaye de donner tout ce qu'il faut pour que les inflammations quittent, mais c'est quasiment chronique, ça revient constamment. Et vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes en train de regarder ce culte. Le Seigneur vous guérit. Vos inflammations vont totalement disparaître et vous louerez le Seigneur. Et vous le glorifierez. Vous ne le connaissez pas encore bien. Vous avez commencé à regarder ces cultes en direct il y a quelques semaines maintenant. Ce n'est pas le premier que vous regardez, mais il n'y a que quelques semaines que vous avez commencé à regarder. Et vous commencez à... Vous avez, au travers des cultes que vous avez regardés, vu votre foi grandir. Et ce matin, c'est le moment où le Seigneur va faire la différence dans votre corps. Père, je te bénis parce que tu es là et c'est toi qui touches également mes bien-aimés qui sont dans cette salle, mes bien-aimés qui ont mis la main là où ils souffrent, mais également sur le net. C'est toi qui les bénis, c'est toi qui les touches, c'est toi qui les guéris, c'est toi qui es avec eux. Et je veux te bénir et te glorifier pour l'œuvre que tu accomplis et pour tous ceux et celles qui pourront dire à la fin de ce culte, mais toi seul tu es digne de recevoir la louange, toi seul tu es digne de recevoir l'adoration, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Il y a également un frère de passage. Vous n'êtes pas pasteur, mais vous prêchez de temps à autre dans votre église. Et vous dites, Seigneur, mais j'ai tellement soif de vivre ces choses. J'aimerais tellement, et je voudrais avec tant d'ardeur, exercer les dons spirituels et voir et entendre ces choses également là où je suis. Et le Seigneur te dit simplement, tu raisonnes de trop. Tu veux, mais tu veux tout contrôler en même temps. Si tu t'abandonnes ce matin à mon esprit, quand tu rentreras, ces choses se manifesteront. Parce que mon esprit te les donnera. Mais plie le genou devant moi. Plie-le dans ton être intérieur. Et tu verras ma gloire. Et tu verras ma gloire. Adorons Jésus. Chantons-le ensemble pendant que nous préparons la Sainte Cène. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies, il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur.
notre espoir. Pendant que tu continues à l'adorer là où tu es, pendant que tu élèves ta voix et que tu lui dis, oh, tu es magnifique, Seigneur. Oh, tu es glorieux. Oh, tu es tout puissant. Je t'accueille ce matin. Je t'accueille ce matin, merveilleux Seigneur. Pendant que vous adorez à votre place, écoutez ce que dit l'Écriture, nous donc aussi, dans l'Épître aux Hébreux. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En vue de la joie qui lui était réservée, notre merveilleux Sauveur s'est donné pour moi, pour vous, pour nous ce matin. Bien-aimés, c'est pourquoi en vue de la joie qui nous attend, nous aussi, détournons-nous de ce qui nous enveloppe si facilement pour nous tourner vers celui en qui nous avons mis notre espérance. Mon frère, ma sœur, les choses les plus belles ne sont pas derrière toi, elles sont devant toi. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Aussi ce matin, dis-lui, Seigneur, je ne veux plus que le péché m'enveloppe. Je ne veux plus marcher dans des voies qui ne sont pas les tiennes. Mais fort de ta présence, justifié par ton sang, purifié par ton sang, mis hors de cause par l'œuvre de la croix, je veux me lancer dans la carrière qui est ouverte devant moi. Prenons ensemble ce pain qui symbolise le corps de notre bien-aimé Sauveur, mort pour nous, brisé pour nous à la croix. Père, nous te bénissons et te remercions de ce que nous pouvons prendre ce pain avec action de grâce. Et en le prenant, te dire, Seigneur, nous voulons fuir le péché, ce péché qui nous enveloppe si facilement, pour marcher en nouveauté de vie. Notre Sauveur s'est donné dans, Seigneur, la perspective de la joie à venir. Et Seigneur, nous voulons nous détourner de tout ce qui nous retient loin de toi. Avec cette perspective, les choses les meilleures et les plus saintes sont devant nous. Merci pour ce corps brisé pour nous. Prenons-le ensemble. Merci pour ce vin qui symbolise ton sang. Merci pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour la purification de nos fautes. Seigneur, te bénissons parce que quand même nos péchés seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. À cause du sang de Jésus, nous voulons prendre ce vin en nous rappelant ce que tu as fait pour nous et en nous engageant tout au long de la semaine à marcher en nouveauté de vie. Que ton nom soit béni. Amen. Prenons le vin ensemble. Père, alors que nous venons de prendre cette sainte scène, nous voulons également nous souvenir que Jésus s'est donné gratuitement pour nous. C'est le don gratuit de Dieu qui nous accorde la vie éternelle. De la même manière que toi, notre Sauveur, tu t'es donné, nous voulons nous donner dans ce que nous sommes, dans ce que nous possédons. Nous voulons te donner, Seigneur, et t'apporter également notre offrande ce matin. Seigneur, nous voulons nous réjouir d'être au bénéfice de l'œuvre de la croix. Et nous voulons nous réjouir de pouvoir contribuer à ce que cette bonne nouvelle soit publiée partout,
en apportant nos offrandes. Merci infiniment. Bénis tous ceux et celles qui donnent et qui donnent avec joie, sans contrainte, mais librement. Seigneur, merci de les bénir, de les renouveler et de leur accorder ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, dès maintenant et à jamais. Chantons encore une fois, adorons Jésus. Adorons Jésus, prosternons, inclinons nos vies, il est le Le Seigneur m'a montré une vision, frères et sœurs. Il m'a montré des cercueils alignés les uns à côté des autres. Il y en avait beaucoup. Et dans chaque cercueil, il y avait un homme, une femme, d'âge différent. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce ? Et d'un seul coup, un vent s'est levé. Et à fur et à mesure que le vent se levait et qu'il soufflait, ils se sont levés de ce cercueil. C'est le souffle de l'esprit de vie. Ils ont repris vie. Ils étaient debout dans ce cercueil, mais ils ne bougeaient toujours pas. Et le vent est devenu de plus en plus fort, comme une tempête. Et ce vent les a poussés à sortir de ce cercueil. Et le Seigneur dit à plusieurs, « Je veux comme vous ressusciter, vous étiez morts. » Certains étaient dépressifs, d'autres avaient des pensées de suicide. D'autres se sont dit, « Ça ne vaut plus le coup de vivre. » Mais le Seigneur dit, « Je vous ai sauvés. » Je vous souffle sur vous d'un souffle nouveau, comme si vous ressuscitiez, afin que vous puissiez me servir. C'est pour me servir que je vous donne la vie aujourd'hui. Et le Seigneur veut encore parler. Le Seigneur dit, il y a dans les couples, homme ou femme, l'un des deux, tu ne viens plus à l'église. Ton épouse et ton mari est seul ici. Et toi, tu regardes le culte à la maison sur Internet. Mon fils, ma fille. Je t'exhorte aujourd'hui à revenir dans ma maison. Sinon, l'ennemi va faire une œuvre qui va vous séparer, d'abord spirituellement, mais aussi affectueusement. Il veut vous séparer. Revenez ensemble dans la maison, dans ma maison, et je vous bénirai et je bénirai votre famille, dit le Seigneur qui vous aime. Il y a un homme ici, vous avez, mon frère, tu as régulièrement des douleurs dans les cervicales et cela te bloque. Tu ne peux même plus conduire parfois parce que tu ne peux plus tourner la tête. Aujourd'hui, le Seigneur te touche et il te guérit parce qu'il t'aime. Mon peuple, mes enfants, il y en a tellement de vous qui se sont affaiblis parce que les choses du monde sont revenues en vous. Et moi, je vous demande de ne plus marcher par la chair, mais par mon esprit. Afin que vous puissiez avoir cette vie que moi je veux tant vous donner et ne pas avoir toujours les assauts de l'ennemi qui veulent vous détruire. Sache-le, il est ici dans ce monde, c'est le menteur, le violeur, le destructeur, l'opposé à moi. Mais sachez que je l'ai vaincu à la croix. Alors revenez simplement à la croix et recevez ce que mon esprit cherchait, ma face, et recevez mon esprit, ne cherchez pas dans le monde, ressemblez à moi.
afin que vous puissiez éteindre dans ce monde et que ce monde puisse voir que vous êtes mes enfants. Vous dit votre Seigneur qui vous aime. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons lorsque tu nous parles. Et nous voulons serrer dans notre cœur ce que tu nous dis. Laissez tomber aucune des paroles à terre comme le faisait Samuel. Nous voulons te demander de nous donner, d'être cette lumière du monde et ce sel de la terre. Seigneur, ici dans ce lieu, mais également dans ce pays, que ta grâce repose sur chacun et chacune. Merci pour la joie que tu nous donnes. Amen. Amen. J'aimerais peut-être vous inviter à vous lever pour un dernier chant. Pendant ce temps, j'aimerais inviter la famille Binder avec la petite Odyssée et la famille Ndoumé avec la petite Alia. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. La petite Alia, on va la présenter au Seigneur. Viens bébé, Bertrand, pardon. Père, nous bénissons Alia. Nous te remercions parce que, Seigneur, nos enfants sont un cadeau qui nous est donné de l'Éternel. Et chaque enfant, Seigneur, qui naît, chaque enfant qui est conçu est un cadeau. Et c'est pourquoi nous voulons nous réjouir et bénir, Seigneur Alia, de tout notre cœur, avec toute l'Église ici présente, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous parle et il vous dit, chers parents, je vous aime. Je veux que cette réalité s'inscrive dans votre cœur. J'ai vu votre désir de dire, comme Josué l'a dit en son temps, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai vu que cela est un souhait, un désir profond dans votre cœur. Alors vous dit le Seigneur, moi qui vous aime, eh bien prenez soin de rester attaché à moi. Cherchez ma présence. Cherchez la présence de mon esprit. Il y aura des moments difficiles, mais montez tout à nouveau dans la chambre haute et cherchez ma présence. Et alors ma présence vous environnera. Ma présence vous remplira, mon amour vous sera accordé. Et ainsi, ce que vous recevez de moi,
vous le donnerez à la petite Alia. Et vous pourrez dire ensemble, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pour cela, restez attachés à moi. Viendront des moments que vous ne comprendrez pas, mais je suis fidèle. Je suis celui qui suit. Je suis celui qui tient tout dans les moindres détails dans ma main. Restez attachés à moi et vous verrez alors combien dans ma présence je vais vous inspirer, vous guider, vous diriger, vous donner des pensées qui viennent de moi. Ceci afin que vous puissiez prendre soin de celle, la petite Alia, que je vous ai confiée, afin qu'ensemble vous puissiez me servir, vous dit l'Éternel. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que tu voulais donner un témoignage aussi, hein? Allez, viens. Tu veux que je vienne, je te le prends. Allez. Allez. Ah oui. Moi, j'ai de l'entraînement. Ouais, bonjour à tous. On voulait vous partager ce que Dieu a fait et comment il a agi miraculeusement tout au long de la grossesse de ma femme. Tout avait commencé lors d'une échographie de routine. On avait annoncé à ma femme que la mesure de la clarté nucale d'Alia était au-dessus du seuil normal et qu'il fallait approfondir les tests avec une prise de sang pour déterminer s'il y avait des risques de trisomie 21. Ma femme avait donc fait cette prise de sang, et un mois plus tard, les résultats s'avéraient positifs à la trisomie 21. Nous étions dévastés par cette nouvelle, et dans ce genre de situation, on a vite tendance à aller sur Internet pour en savoir un peu plus sur cette maladie, mais plus on en savait, plus on était inquiet. Notre seul secours était la prière. On demandait à Dieu d'agir dans le ventre de ma femme et qu'il nous donne juste sa paix. Et c'est vrai que Dieu nous a donné cette paix parce que, quel que soit ce qu'on pouvait entendre comme suggestion face à cette maladie, il n'y a jamais eu nombre de doutes sur le fait qu'on voulait mener cette grossesse à terme. Plus tard, ma femme avait une nouvelle échographie à faire pour savoir s'il y avait potentiellement des malformations. Et cette échographie a paru comme une éternité, puisque une première sage-femme faisait l'échographie pendant plus de 10 minutes. Elle ne parlait pas et voyant que ça la dépasse, elle appelle une collègue en laissant ma femme sans aucune explication. Sa collègue arrive et on lit sur son visage une expression d'inquiétude par rapport à ce qu'elle voit sur l'écran de l'échographie. Elles nous disent finalement qu'il y a un problème avec sa tête et son cerveau, et qu'elle est trop petite par rapport à l'avancée de la grossesse. Elle nous donne alors un rendez-vous avec un spécialiste pour le week-end d'après. Alors, entre les premiers résultats sur la trisomie 21, ensuite ces deuxièmes résultats sur les malformations qui ne font que confirmer les résultats d'avant, on était vraiment dévastés. Mais on s'est toujours accroché à la parole de connaissance qu'on avait reçue à notre mariage qui disait qu'on passera par des temps difficiles. C'est en restant accroché à Dieu qu'on aura la force de les traverser et parvenir à cette promesse qu'il nous a faite, qu'on sera une bénédiction pour une multitude. Alors on décida de demander de l'aide dans la prière à nos familles et proches, et là encore on a vraiment vu la main de Dieu parce qu'il nous a donné sa paix en mettant une pensée au fond de nous qui disait qu'il n'avait pas encore fini de forger Alia dans le ventre de sa mère, et qu'il faudrait attendre les résultats finaux. Arrivé le jour de l'échographie chez le spécialiste, on était en paix, et là, il fait l'échographie, et à notre grande surprise, il nous dit qu'il ne comprend pas pourquoi on nous a envoyés vers lui. Il dit même que c'était une erreur parce que tout allait très bien. Amen. 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 Merci Seigneur. Que son cerveau et sa tête sont de taille normale et nous affirme aussi que la clarté nucale était tout à fait normale. Nous étions super contents, remerciant le Seigneur, car ce n'était pas une erreur, mais que lui qui peut tout a agi. Amen. Alors, merci. Alia est arrivée au monde le 1er octobre en très bonne santé et aujourd'hui elle poursuit sa croissance sans aucun souci de santé. Voilà, on voulait vous présenter ce petit miracle. Et surtout rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli au travers de cette situation. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans la prière et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Vous avez le droit de la reprendre, hein. Je ne suis pas comme ça.
Je confirme qu'elle grandit normalement, elle a un poids normal. On va présenter la petite Odyssée. Oui, je vais la prendre aussi. Ben oui, regarde. Mais oui. Père, quelle joie de te présenter, Odyssée. Merci pour, Seigneur, ces parents qui sont ici et qui aujourd'hui déclarent par cet acte te la confier. Mais en déclarant te la confier, déclare aussi croire en toi. Seigneur, comment pourrions-nous confier nos enfants sans avoir la certitude que tu es vivant et que tu prends soin d'eux? C'est pourquoi nous la bénissons et nous nous réjouissons avec la famille pour, Seigneur, ta main posée sur Odyssée. Tu prends soin d'elle, tu prends soin des parents, tu prends soin, Seigneur, de la famille. Merci infiniment de ce que c'est une joie pour nous de pouvoir apporter dans ta maison nos enfants en sachant que le Très-Haut veille sur eux. Qui mieux que le Très-Haut ne peut veiller sur nos enfants? Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur, merci pour la petite Odyssée que voici et qui t'est présentée par ses parents. Père, merci de la belle petite fille que tu as fait d'elle, des beaux yeux bleus que tu lui as donnés. Merci parce qu'alors qu'elle était dans le sein de sa mère, tu l'as tissée parfaitement. Oui, tu es un Dieu parfait. Et c'est parfaitement que tu sauras la conduire ainsi que les parents, que tu sauras la mener dans tes sentiers, dans tes voies, que tu sauras lui permettre un jour de te rencontrer et de découvrir qui tu es, toi qui lui as donné la vie. Père, c'est pour cela que nous la bénissons dans ce parcours de vie. Et c'est toi, jour après jour, qui prendras soin d'elle. Nous savons que tu le feras et nous te bénissons pour cela. Amen. Amen. Comme l'agneau se nourrit de sa mère, comme l'agneau se nourrit du lait de sa mère, ainsi cette petite fille se nourrira de ce que vous lui donnerez. Elle se nourrira de ce que vous lui apporterez. Elle se nourrira de votre connaissance de ma présence. Elle se nourrira de votre connaissance de ma parole. Jusqu'au jour où elle-même sera en mesure de se nourrir par elle-même. C'est pourquoi soyez attachés à moi. Cherchez-moi de tout votre cœur. Vivez pleinement dans ma présence. Et au travers de vous, elle recevra ce dont elle a besoin. Elle se fortifiera, elle grandira et elle s'affermira. Je mets ma main sur elle et je la protégerai. Mais vous, apportez à votre enfant ce qui vient de moi. Nourrissez-la et vous verrez alors les temps venir où eh bien, ce que vous lui aurez donné la rendra forte et elle deviendra une bénédiction pour vous. Père, nous te bénissons. Merci de tout cœur pour ta grâce. Amen. Amen. À ma petite Odyssée. On va se lever ensemble. Ça fait plaisir de porter tous ces bébés. Venez, approchez-vous. Bénis-les. Merci Seigneur, soyez bénis, vous faites de beaux enfants, continuez. Est-ce que c'est pas merveilleux ce que Dieu fait?
Est-ce que vous êtes fortifié quand vous entendez de tels témoignages? Vous savez, mais moi, ce qui me touche, c'est peu importe ce qu'on nous a dit, de toute manière, l'enfant, nous le gardions. De toute manière, l'enfant, nous le gardions. Vous savez que les statistiques aujourd'hui au niveau des enfants trisomiques, eh bien, on a le sentiment qu'il y a de moins en moins d'enfants trisomiques puisque 9 enfants sur 10 sont éliminés. Et je crois que les humains que nous sommes devrions avoir honte. Parce que chaque enfant, quel qu'il soit, est une bénédiction de l'Éternel. Amen. Chaque enfant est une bénédiction de l'Éternel. Je voudrais faire quelques annonces et puis c'est mon frère Claude qui apportera le message. Samedi 22 avril, pour les amis qui sont de Franche-Comté, à 9h45, vous vous retrouvez à la salle des fêtes d'Argiésan avec comme orateur Claude Écoué. Jeudi 27 avril, nous avons à 19h30 dans le perchoir pour tous les frères, les sœurs qui sont passés par le deuil, la soirée Revivre après le deuil. Donc à 19h30, le 27 avril, notez-le-vous et je suis sûr que vous serez bénis. Dimanche 14 mai, nous avons un service de baptême à 14h30 et nous nous réjouissons pour tous ceux et celles qui s'engagent dans les eaux du baptême. Quelle joie, quelle grâce! Je bénis Dieu pour le week-end de Pâques que nous avons vécu. Est-ce que vous bénissez Dieu pour le week-end qu'on a vécu? Nous avons vu du dimanche au dimanche environ 200 personnes venir se donner au Seigneur. Et moi, je voudrais qu'on lui fasse une ovation. Quand il y a tant de personnes qui viennent à Jésus. Quel bonheur! Juste encore une information, le standard téléphonique. Pas la ligne de prière. La ligne de prière est ouverte, mais le standard téléphonique sera fermé lundi, mercredi et vendredi après-midi, exceptionnellement, puis ça reprendra normalement. Pour les déplacements, Benjamin sera à l'église Lumina Lumi à Noisy-le-Sec, chez le pasteur Daniel Todoran. Si vous êtes de la région parisienne, eh bien, n'hésitez pas à les rejoindre. Ensuite, le pasteur Claude Gréder sera à l'église La Maison du Père à Oberhausbergen. C'est en France? Non, je vois qu'il y a des francophones qui nous regardent là et disent ah, ils sont en Germanie. Non, Oberhausbergen, c'est en Alsace, c'est dans le Bas-Rhin. Et donc, vous pouvez vous joindre à eux, c'est à côté de Strasbourg. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que tu es content de voir ton voisin et ta voisine? Ben dis-le lui, je suis content de te voir. Claude. Merci Sam. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Oui, saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser, d'un moment de fraternité, ça fait du bien, n'est-ce pas? Non, ça va bien? Non, d'accord. J'ai rien dit. C'est quand... J'avais mes deux filles qui ont maintenant 17 ans, bientôt 18, avaient 4, 5, 6 ans. Tous les soirs, quand je rentrais, elles demandaient « Papa, peut-on jouer à cache-cache ?» Enfin, elles disaient « Papa, cache-cache hein, », c'était un peu moins élaboré. Et donc, tous les soirs, j'étais de cache-cache. Enfin, ou régulièrement, en tout cas, quand je rentrais à l'heure. Voilà, comme ça, ma femme me regarde moins vigoureusement. Et puis donc, on jouait à cache-cache, et elle se cachait, et petit à petit, elle trouvait des cachettes. Et puis, il y en a toujours une à qui j'ai demandé, « Zoé, où es-tu ?» Et elle doit répondre, « Je suis ici !» Alors j'essayais de lui faire comprendre, « Zoé, on joue à cache-cache, il ne faut pas le dire. Papa fait une blague. » Mais tous les soirs, quand je demandais, « Zoé, où es-tu ?» Irrémédiablement, elle répondait, « Je suis ici !» C'est le thème de la prédication ce matin. Est-ce que Dieu joue à cache-cache avec nous? Le thème, c'est le Dieu qui se cache. Et nous lisons 2-3 versets que je voudrais déposer dans l'espace. Le premier, dans Ésaïe 45, verset 15. Après une longue explication sur la souveraineté de Dieu, Ésaïe finit cette tirade en disant « Mais tu es un Dieu qui te cache. Un Dieu qui te cache. »
Un autre verset, dans Proverbes chapitre 25 et au verset 2, Proverbes 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je répète, la gloire de Dieu, son plaisir à lui, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Voilà un peu pour le contexte, pour un peu ce que je voudrais laisser déposer dans vos cœurs ce matin, et que je crois que Dieu m'a demandé de partager avec vous. Et puis nous lirons un texte de Luc 24, ce sera le texte phare ce matin. Luc 24, pour ceux qui se rappellent, c'est après Luc 23. Donc si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir, Luc 24, et au verset, les versets 12 et les suivants. Et nous lisons ensemble, on est trois jours après la crucifixion, nous sommes le dimanche de la résurrection, et c'est généralement dans nos pays, Pâques est un jour de fête. Pour ces deux disciples-là, c'était beaucoup moins drôle. On lit dans chapitre 24, partie du verset 12, « Mais Pierre se leva, après avoir entendu ces femmes qui parlaient de la résurrection de Jésus, et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire environ 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous parliez là actuellement hein? De quoi vous causiez ? Pour que vous soyez aussi tristes que cela ?» Et l'un d'eux, Cléopas, lui répondit, T'es le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. « De quoi s'agit-il » Et ils lui répondirent, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié ?» T'as pas entendu parler de ça ? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. C'est comme fort de café, ça. Et de continuer, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Et se levant à l'heure même, ils rebroussèrent chemin à Jérusalem, 12 kilomètres en sens inverse. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient avoir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée dans vos cœurs ? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez ce que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, apparemment c'était trop beau pour être vrai, ils étaient dans l'étonnement. Et il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous avais dit, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que cela accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et alors il leur ouvrit les yeux, pardon, l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Voilà, une longue lecture, j'en conviens, mais ça fait du bien aussi. Laissez la parole de Dieu prendre sa place au milieu, n'est-ce pas ? Un texte étrange qui m'a étonné, parce que à plusieurs reprises, on a l'impression que Dieu fait exprès de se cacher. Au lieu de dire, « Tatin, me voici les gars !» Je suis ressuscité, vous voyez ? Rien de tout ça. Il les laisse dans leur questionnement, il s'approche d'eux, etc. Et puis il est marqué que, verset 16, que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est comme si Dieu n'était pas pressé de se montrer, mais qu'il met des petits cailloux sur notre route afin qu'on les suive et qu'on trouve le chemin de son cœur et de la relation avec lui. Et apparemment, Dieu se cache. Mais tu es un Dieu qui te cache. Et je peux imaginer ses disciples, c'était Cléopas, on ne sait pas qui était le deuxième, était-ce son épouse, pensent certains, était peut-être Luc, le rédacteur de l'Évangile, on ne sait pas. Mais ces hommes étaient traumatisés. Ils avaient misé leur vie sur le Christ. Et voilà que tout à coup, bing, badaboum, tout s'écroule. Ils étaient traumatisés, désorientés, dépités, perplexes, avec des espoirs ruinés. Ils pensaient qu'ils allaient enfin avoir celui qui allait mettre à la porte l'envahisseur, l'occupant. Et quand on parle d'occupant, en Alsace, c'est de quoi on parle. Qu'ils rentrent chez eux. Et maintenant, voilà que tout s'écroule, ils sont déboussolés. Et j'aime la façon dont Jésus va s'approcher d'eux, dont Jésus va se pointer pour leur rappeler ce qui s'était passé, et surtout pour les rassurer et pour les remettre en selle. Mais la question reste ouverte. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Et dans tout ça, dans tout ce qu'ils ont vécu, mais où est Dieu dans tout ça? Dans cette crucifixion, dans cette apparemment résurrection, enfin on ne sait pas trop, où est Dieu dans tout ça? Et peut-être tu te poses la question, et dans mes problèmes, et dans ma vie, dans mon problème, où est Dieu? Et quand on lève les yeux et qu'on regarde le monde actuel tourner, il ne tourne pas très rond, je trouve. Ça vous l'aurait pessimiste, mais on est passé de la Covid à une guerre, et en France, on est passé d'une guerre ou dans une guerre à des crises multiples. On a l'impression qu'à chaque matin, il y a une nouvelle crise qui arrive. Mais où est Dieu dans tout ça? Et le verset 16 pose la question du pourquoi est-ce que Dieu se cache. Maintenant, on doit répondre à trois questions. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Et s'il se cache, il se cache où? Et quand il se cache, comment le trouver? C'est trois questions simples, d'accord? Alors, je voudrais répondre à la première question. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Et bien, d'abord parce que Dieu, dans sa nature, est esprit. Il est esprit, un esprit n'a ni os ni corps. Et donc, il est forcément invisible à nos yeux. Deuxièmement, dans sa nature, il est une nature d'humilité. Matthieu 11, 29 nous dit, Jésus dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Pas de façade, de cœur. De cœur, il est humble. Voyez-vous, ça se démontre dans ce que nous avons lu ce matin. L'attitude de Jésus face à ses deux disciples perplexes, désorientés, traumatisés. Ils discutaient entre eux et ils s'approchent d'eux. Non pas comme le héros qui vient, qui montre sa résurrection, non comme quelqu'un qui, un étranger qui est là, qui chemine avec eux. Et il les laisse parler, il fait une thérapie avec eux, il les laisse causer. Et puis enfin, il prend du temps avec eux, il entre en conversation avec eux. Et puis après, il poursuit par une étude biblique. Ah, j'aurais voulu être là ce matin-là. Écoutez, étude biblique. Il leur a rappelé ce qui avait été écrit,
ce qui allait rester avant lui et après sa présence sur terre. Et puis enfin, il s'impose pas. Quand on arrive à Béthanie, il ne pousse pas la porte avec eux. « Tiens, je vais manger avec vous. » Non, non, il fait semblant, ou en tout cas, il fait semblant de partir ailleurs. Et c'est eux qui le retiennent. Autrement dit, il leur montre un immense respect. Saviez-vous que Dieu vous respecte immensément? Dieu est un Dieu d'humilité. Il s'approche avec humilité. Et regardez voir le choix des interlocuteurs. Moi, j'aime ce passage parce que... Honnêtement, j'aurais été Jésus. Moi, je ne suis pas Jésus, rassurez-vous. Mais j'aurais été Jésus, le Christ ressuscité. D'abord, je serais allé voir Caïphe, leader religieux. J'aurais dit, alors maintenant, le Christ, c'est qui là-dedans? Hein? Es-tu le Christ? Je t'avais dit que oui, mais t'as pas cru. Alors maintenant, on discute un peu ensemble. Et puis, je serais allé voir Pilate, qui a de me poser une question hautement philosophique avant de le condamner à mort. Qu'est-ce que la vérité? Ben justement, Pilate, tiens, on va discuter un peu qu'est-ce que la vérité. Allez, discutons ensemble. Non, il est allé voir deux des siens, dont on n'a même pas le prénom. On a juste Cléopas. Ce n'est pas un apôtre. C'est juste un disciple, comme nous tous ici présents. Juste un disciple. Il s'approche d'eux, il prend du temps pour ces deux gaillards-là. Et puis, il leur montre de l'intérêt. Il est pédagogue. Il reprend le chemin de départ. Bon, vous n'avez pas tout compris, les gars. On va refaire la leçon par A plus B. On va reprendre les Écritures. Et puis enfin, deuxièmement, il se laisse inviter. Il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent de rester avec lui. Voyez-vous, Jésus, des fois, tape à la porte de nos cœurs. Mais jamais il la force. Il vous respecte, il me respecte. Il a l'humilité. Le Créateur, celui qui nous a fait, a le respect, le grand Dieu, celui qui aurait tous les droits sur nous et qui les a d'ailleurs. Il frappe et il attend qu'on ouvre. Et là, alors qu'ils sont ensemble autour d'une table, on partage le repas à la bonne franquette. Il rend grâce, il rompt le pain. Et je suppose qu'en partageant le pain, tout à coup, on a vu les marques des clous. Et là, ils se disent, mais c'est lui! Et au moment où ils le reconnaissent, il disparaît. Il se cache de nouveau. Là, c'est incroyable, ça. Hein? Pourquoi il se cache? Parce qu'il a une nature d'humilité. Il ne s'impose pas. Il entre en conversation avec nous. Comme ils l'ont fait pendant l'éternité entière entre les trois de la Trinité. Et puis deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il se cache? Mais pour conserver notre liberté. Dans Genèse 1 et 2, on trouve Dieu partout présent. Au commencement, Dieu. Puis il parle, la parole de Dieu. Puis Genèse 2, il continue à créer, à mettre en place, le jardin d'Éden. Et puis il donne un ordre moral à Adam. Tu mangeras de cet arbre-là de la vie, mais pas de l'autre. Etc. Donc Dieu est omniprésent. Et puis il dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Ils n'avaient aucune idée de ce que ça voulait dire mourir. Mais alors aucune idée. Genèse 3 arrive, éteins-toi, voilà le malin qui arrive aussi, qui vient les tenter. Et Ève cède, et Adam cède. Ce qui m'étonne dans ce texte, c'est que Dieu n'est pas présent. C'est l'absence de Dieu. C'est comme si c'était caché. Voyez-vous, je pense honnêtement que, non pas que Dieu n'était pas présent, mais je pense honnêtement que Dieu s'est invisibilisé afin de leur laisser la liberté de faire un choix. C'est un peu comme sur nos routes. Quand il n'y a pas de radar, on dépasse les vitesses autorisées. Et nous connaissons un spécimen dans l'Église qui est particulièrement féru de dépasser les vitesses, les limites de vitesse. Je ne citerai pas de nom. Non, non, je n'ai rien dit, Samuel. Mais c'est pour la liberté. C'est pour nous laisser libres, qu'on ait la liberté de faire des choix. Si j'avais toujours eu ma maman et mon papa à côté de moi quand j'ai fait mes bêtises dans ma vie de jeune adulte, je pense que je ne les aurais pas faites. Mais le fait qu'ils n'étaient pas là, j'ai fait des choix. Pas toujours les meilleurs. Mais Dieu était là.
qu'à un moment donné, il revient, il va leur dire « Bonsoir les amis, où êtes-vous ?» Et Adam de répondre « Je me suis caché. » Pensez honnêtement que Dieu avait besoin de localiser Adam. Il lui pose la question « Où es-tu Adam ?» Il avait besoin d'une géolocalisation d'Adam. Mais non, il savait où était Adam et ce qu'il avait fait. Mais Dieu se replaît à re-engager la conversation après leur écart de conduite. Pareil avec nous. C'est toujours nouveau. Lui qui essaye d'engager avec nous la conversation. Mais il nous donne la liberté en nous laissant faire. Mais rappelons-nous que Dieu est partout, n'est-ce pas ? Psaume 39 nous dit, mais que Dieu est partout. Quand je me lève, quand je m'assieds, quand je me couche, quand je m'endors, que j'aille dans le ciel, que j'aille dans les abysses, les profondeurs des mers, il est présent partout. Blaise Pascal disait ça comme ça, Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Joliment dit ça. Pas de moi, c'est de Blaise Pascal, je répète. Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Troisième raison pour laquelle Dieu se cache, je pense que c'est une méthode pédagogique. C'est pour nous apprendre les choses. C'est que ce que nous avons découvert nous-mêmes qui réellement s'imprime dans notre cerveau. C'est que les solutions qu'on a trouvées à nos propres problèmes, que tout à coup on comprend comment résoudre un problème de mathématiques. Pour avoir été pendant un temps enseignant, je me rappelle que la meilleure méthode, c'était de ne pas tout rendre facile. C'est d'adapter les difficultés au niveau des enfants, afin qu'en faisant l'exercice à leur niveau, en les encourageant à dépasser leur moment de panique, que tout à coup, quand ils ont trouvé, eh ben, s'inscrit au fond de les formules mathématiques et autres, et autres, et autres. Il en va de même dans nos vies. Dieu se plaît à cacher les choses. L'homme prend plaisir à les découvrir, à découvrir. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de l'homme, c'est de les découvrir. D'ailleurs, les entreprises ont compris ça. Elles ont créé des départements qui s'appellent recherche et développement. On recherche, on recherche, on recherche des nouvelles choses afin que ça réponde aux besoins de l'humanité. Donc il y a cette méthode pédagogique. Et Jésus s'est caché. Il est resté caché aux yeux des deux disciples. Il a fait une étude biblique, il a pris du temps, il s'est révélé. Et je pense qu'à la fin, le fait d'avoir fait ce travail pédagogique avec Cléopas et son ami, à la fin, quand Jésus repartira vraiment au ciel, et qu'ils ne le verront plus du tout, ce qui va rester des Écritures, Cléopas l'aura compris. Là-dedans, on trouve le Christ. Dans toutes les Écritures, de Genèse au prophète. Et ça allait rester en lui comme une sécurité et une certitude qu'il pourrait prêcher à d'autres. Alors maintenant, deuxième question ce matin, mais si Dieu se cache, il se cache où ? S'il y en a un là-dedans qui maintenant cherche Dieu, vous allez me dire, mais Claude, pasteur Claude, où allons-nous trouver Dieu ? Où est-il caché ? Eh bien, il y a plusieurs endroits où il se cache, entre guillemets. Premièrement, il se cache derrière le voile de la nature. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, versets 19 et 20, dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on considère ses œuvres. » La nature est le reflet de ce que Dieu est capable de faire. Vous avez peut-être déjà vu un grand tableau d'un maître comme Rembrandt ou comme Van Gogh. Et quand vous le voyez, vous dites « Waouh, le gars, il est doué, quoi !» Il est vachement doué. Si vous allez dans certains musées, vous trouverez la Pietà. La Pietà, c'est la Vierge qui tient le Christ descendu de la croix. C'est un morceau de marbre dans lequel Michel-Ange a mis toute son énergie, son savoir, sa capacité pour en faire un chef-d'œuvre. Ça montre la qualité et la capacité de Michel-Ange. Mais quand nous regardons la nature, quand nous levons les yeux vers le ciel, on découvre le Créateur. Est-ce qu'il est capable de faire l'infiniment grand, l'infiniment vaste, l'infiniment beau? Et actuellement, quand je regarde les photos du télescope qui étaient envoyées dans l'espace, mais je m'émerveille. Je dis, mais waouh!
Et dire que les cieux des cieux n'arrivent pas à le contenir, mais ça veut dire que mon Dieu est tellement, tellement, tellement plus grand. Notre Dieu se cache derrière le voile de la nature. Regardez votre corps comme il est bien fait, comment tout s'articule. Et il suffit d'un petit virus, un petit microbe, que tout se déglingue. Juste un truc infiniment petit. Mais c'est ça le Dieu. Il est caché derrière le voile de la nature. Il n'est pas la nature. Nous n'adorons pas les arbres ou les fleurs. Nous adorons le Créateur qui a fait les arbres, la fleur, le soleil et l'espace et tout, et tout, et tout. Deuxième point, deuxième cachette du Seigneur, c'est derrière la voix de votre conscience. Romains chapitre 2, verset 14 dit « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi morale est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Comment se fait-il qu'à partir de 6-7 ans, un enfant comprenne la différence entre le mal et le bien? Tout à coup, il comprend « j'ai menti ». Jusque-là, il ne comprend pas trop ce que ça veut dire mentir. Mais tout à coup, au fond de lui, il y a une voix qui se met à parler. L'âge de l'innocence est terminé. Il se met à comprendre la distinction entre le mal et le bien. Mais alors, qui met au fond de lui la distinction entre le mal et le bien? Qui descend ça dans leur cœur? Pareil, Ecclésiaste 3, verset 10 dit « Il fait toutes choses belles en son temps, parlant de Dieu, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Vous pouvez traverser toutes les civilisations. Vous pouvez aller remonter dans les archéologies de n'importe quelle civilisation, vous trouverez des hommes et des femmes qui prient, qui pensent à l'éternité. Certains font des mausolées absolument époustouflants, les pyramides par exemple. Parce qu'on pense qu'il y a une vie après la vie. Et avec ces rois, avec ces pharaons, on leur a mis dans leur mausolée toutes les richesses qu'ils avaient, et même de l'argent, afin qu'ils puissent payer le passage. Mais qui a mis ça dans la tête de ces gens-là? J'ai à la maison un chien, un chat, j'ai aussi des poules. Bon, le renard les a mangés. Bon, c'est comme ça. Il a eu faim. Bref, mais vous savez quoi? Mon chat, il m'aime bien. Enfin, je l'aime bien. Hein. Mon chien aussi. Mais jamais, jamais, au grand jamais, maintenant ça fait 10 ans qu'on les a, jamais je ne les ai vus, c'est à prier. Ne prie pas. Mais non, je vous assure. Hein. Si vous en avez un chez vous, vous me le dites. Hein. Généralement, c'est l'inverse. Le chat, quand je le papouille, quand je le chatouille, quand je lui donne à manger, il me dit « C'est bien, je suis ton maître. » Quand je fais la même chose avec mon chien, il dit « Tu es mon maître. » Bien-aimé, la conscience est une chose que Dieu a donnée dans laquelle il se cache. Je n'ai pas dit que la conscience, c'est Dieu. J'ai juste dit que Dieu s'y cache. Que Dieu s'y cache. Un autre endroit où il se cache, et c'était étonnant pour vous, c'est dans les hasards. Connaissez les hasards? Des fois on le dit, c'est incroyable ces hasards. Où le hasard fait bien les choses. Et vous avez entièrement raison. D'ailleurs, je voudrais vous voir avec vous un texte qui parle des hasards dans la Bible. On retourne dans Ésaïe 45. C'est le texte que Samuel nous a introduit cette année dans le culte du premier de l'an. Et j'ai beaucoup aimé ce texte, notamment les versets qui m'ont frappé. Mais quand vous commencez à sonder cette écriture-là et à voir le contexte, c'est extrêmement étonnant. On va commencer dans Ésaïe 44 déjà, le verset 28. C'est Dieu qui parle et qui dit « Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. »
Et puis nous lisons verset 45, les premiers versets. Il dit « Ainsi par l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. » Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je ne sais pas si vous savez, mais quand Ésaïe a rédigé ce texte, Cyrus n'existait pas encore. En fait, il l'a prophétisé 210 ans avant. Il l'a prophétisé avant même qu'Israël soit déporté en Babylonie. Et pendant 70 ans, ils allaient être en exil. Ils allaient être en exil et donc esclaves des Babyloniens. Mais Dieu, avait prévu avant l'exil qu'il allait y avoir un homme du nom de Cyrus qui allait les renvoyer de nouveau à la maison. Et ce Cyrus n'est pas un Hébreu. Ce Cyrus est le fils d'un couple qui ne connaît pas Dieu. Donc Dieu savait 210 ans à l'avance qu'un jour viendra où un couple va nommer son fils Cyrus et que ce Cyrus va être le roi perse qui va envahir Babylonie, les Mèdes, et va littéralement libérer les Juifs et les renvoyer dans leur pays. Autrement dit, Dieu savait longtemps à l'avance. Mais les parents qui ont fait le petit Cyrus n'avaient aucune idée. Hein. Et les Juifs qui avaient, ou les Hébreux qui avaient lu les textes d'Ésaïe n'avaient aucune idée qui allait être Cyrus. Ils n'avaient aucune idée. Mais Dieu, lui, il se plaît à travailler dans l'ombre. Autre traduction du verset, tu es un Dieu qui te cache. Il travaille dans l'ombre et il agit et il fait les choses afin qu'au moment précis, au moment voulu, les choses s'accomplissent. D'après la petite histoire, ce n'est pas lui qui va voir le temple se créer, il va juste faire les décrets pour que ça ait lieu, et c'est le roi suivant qui verra littéralement les choses s'accomplir. Mais Dieu travaille dans l'ombre, aussi dans nos vies. Papa qui est là ce matin, je pense, je ne l'ai pas vu, il est là, tout au fond. L'autre, il a 91 ans. Il y a quelques semaines, ou deux, trois mois en arrière, à table, il me raconte une histoire, sa petite histoire. Écoutez bien ce qui se passe. On est en 1939. Il a 7 ans. Ils habitent à la frontière. Ils sont obligés de partir dans le sud de la France, à Vieux-Boucau, au sud de Bordeaux, sur l'Atlantique. Et là, comme un petit garçon, il avait un frère et une sœur, il y a une balançoire, et il se balance un balançoire. Et pendant qu'il se balance, il chante. Et tout à coup, il s'entend chanter une langue qu'il ne comprend pas. Puis il se dit, c'est bizarre. Et puis il dit rien. L'année suivante, eh bien, ils ont pu rentrer en Alsace. Et là, de nouveau, en Alsace, il se met sous une balançoire, il se met de nouveau à balancer. Et pendant qu'il balance, il chante. Et il s'entend chanter de nouveau dans une langue qu'il ne connaît pas. Une langue étrange, jamais entendue. Ce n'est pas de l'alsacien, ce n'est pas de l'allemand, ce n'est pas du français. C'est étrange. Et puis ça dure, ça se répète. Et puis un jour, il s'est fâché, il a dit, « Non, je ne veux pas de ça !» Et ça s'arrête. Je fais un saut en avant de 50 ans. On est en 1992, mes parents se sont convertis dans les années 80. Et pendant 10 ans ou 12 ans, mon père a cherché le baptême du Saint-Esprit. Pendant 12 ans, il a prié. Et un soir, il s'endort à la maison et il voit en rêve ces événements de son enfance où il se balançait sur une balançoire en train de chanter en langue. Le matin, il comprend. Il se met à genoux dans sa chambre à coucher. Il demande pardon d'avoir refusé le chant en langue, d'avoir refusé le baptême de l'Esprit alors qu'il n'y comprenait rien. À l'âge de 7-8 ans, il demande pardon et il est baptisé de par l'Esprit Saint dans sa chambre. Dieu travaille dans l'ombre.
Dieu travaille dans l'ombre dans chacune de nos vies. Sauf que des fois, on n'a pas envie de voir. L'autre jour, alors, c'était à la radio, on avait sollicité des témoignages, et voilà qu'une dame téléphone et elle dit « Écoutez, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai un petit garçon, un petit bébé qui était malade, j'étais en voiture, et puis il hurlait. Alors je cherche une station radio qui calmerait avec sa musique, mon petit. Et je tombe sur Phare FM. Alors, elle a écouté, le gamin s'endort. Petit garçon, ça s'apaise, s'endort. Elle dit, ah, ben, ce truc de Jésus, là. Elle a changé de station. Change de station, le gamin se met à brailler. Alors, elle revient sur la station, il s'arrête de nouveau. Elle repart, et quelques allers-retours, et chaque fois, ça braillait. Donc, elle est restée sur Phare FM, il y avait en particulier une chanson qui l'apaisait. Elle l'a chasamée, et puis c'est devenu la berceuse. Tous les soirs, elle mettait quand le petit braillait. Il avait une bronchiolite, ce petit garçon, et voilà qu'une thérapeute, une kinésithérapeute vient à la maison. Et elle entend, cette kiné entend la berceuse du petit garçon. Et elle dit à la famille, mais vous savez qui c'est cet artiste? C'est un artiste chrétien, je le connais. D'ailleurs, dimanche prochain, il sera à l'église chez nous. Est-ce que je peux vous y inviter? Et la dame a dit, bien sûr, on viendra. Elle a pris son mari, son petit sous les bras, elle est allée à l'église, et là, ce fut la grande rencontre avec Jésus. Le hasard. À propos de hasard, on a une dame qui est dans l'église maintenant. Elle est plus âgée que moi, mais elle aussi l'avait dans sa maison, dans sa période-là. Beaucoup de problèmes dans la famille, des problèmes de décès, le temps d'arrivée de suicide. Elle était désespérée. Et voilà qu'un jour, sa batterie a lâché. Alors elle a une batterie, elle change de batterie pour sa voiture. Et la première station qu'elle capte, c'est Phare FM. Entend la chanson, elle dit, c'est sympathique. Et après, on parle de Jésus, elle dit, oh, c'est pas sympathique. Mais quelque chose au fond d'elle la ramenait toujours de nouveau à écouter. Puis finalement, elle s'est habituée à écouter. Puis à la maison, partout, elle a mis la radio. Elle écoutait du matin au soir et du soir au matin. Et puis, une nuit, elle entend Bertrand prêcher. Elle dit, il faut que je voie ce Bertrand. Et du coup, elle est venue à l'église. Et du coup, elle a une ancienne sœur en Christ parmi nous. C'est hasard. Le hasard qu'elle remet la batterie, la seule radio en route, c'est celle-là. Non, mais c'est quand même incroyable comme Dieu nous cherche, non, vous ne trouvez pas? C'est hasard de Dieu. Dieu se cache dans nos hasards. Mais pour revenir à nos amis de Cléopas et son ami, dans cette configuration dramatique, traumatisante, ils ont peut-être aussi posé la question, mais Dieu, t'étais où dans tout ça? Ce procès injuste, cette exécution sanguinaire, t'es où dans tout ça? L'apôtre Paul y répond, écoutez voir 2 Corinthiens 5, verset 9. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Où était Dieu quand Christ est mort à la croix? En Christ. En Christ. Des fois, on se demande, mais où est Dieu quand je vais mal? Mais où est Dieu quand moi je vais mal? J'ai rencontré le pasteur Richard von Brand, pasteur roumain, d'origine juive, qui s'est converti et qui, à cause du nom de Jésus, a passé 14 ans dans les geôles de Ceaușescu, où il a été torturé. Je l'ai vu, cet homme marchait plus bien, un homme grand comme mon père, un très grand homme, avec une très petite femme, Sabine, et il marchait pas bien parce qu'il avait reçu des coups sur la plante des pieds et l'équilibre était parti. Son fils devait le tenir. Et il raconte comme ça pendant sa prédication, il dit, quand j'avais été torturé, on m'a mis dans ma geôle, puis on a cherché mon collègue qui n'était pas chrétien, qu'on a mis à la bastonnade aussi. Il hurlait. C'était tellement douloureux à entendre que j'ai commencé à crier Dieu. Mais Dieu, mais t'es où maintenant? T'es où? Et une voix de lui répondre, je suis le malheureux qu'on est en train de torturer. C'est moi qui suis en train de crier. Mais où est Dieu?
au milieu, au sein de nos ténèbres, de nos jours difficiles, parce que nous avons aussi des jours difficiles. Il se cache dans les hasards, ces petits cailloux blancs qu'il pose dans nos vies, qui mériteraient qu'on regarde de plus près, afin de ne pas les lâcher, afin de s'y accrocher et d'y voir sa main divine. Quatrième cachette de Dieu, c'est les Écritures. C'est Jésus qui le dit. Il est marqué dans Luc 24, verset 27, il est dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Voyez-vous, on peut lire ce livre comme un livre d'histoire. Et vous savez quoi? Vous y trouverez à redire. Vous y trouverez à contredire. Vous y trouverez à vous arracher les cheveux par les paradoxes qu'elle vous soumet. Mais voyez-vous, quand on commence à creuser l'Écriture, quand on commence à chercher, vous allez retrouver Christ à n'importe quelle page des Écritures. Dans Genèse 1, il est la parole créatrice. Dans Genèse 2, il est l'arbre de vie. Dans Genèse 3, il est cet animal qu'on va sacrifier, cet innocent qu'elle sacrifie afin de revêtir Adam et Ève. Dans Genèse 6, il est l'arche de Noé, qui est notre refuge à nous. Et je pourrais continuer ainsi. Dans Exode, il est la manne céleste qui tombe tous les matins. Dans Nombre, il est le serpent d'airain. Dans Deutéronome, il est ce rocher qui a suivi Israël chaque jour dans le désert et qui a donné à boire à ces millions de gens. Et je pourrais continuer jusqu'à Malachie. Christ se retrouve dans n'importe quelle page. Encore faut-il vouloir relire en y scrutant les profondeurs. Voyez-vous, Dieu, il se plaît à se cacher. Même Jésus le dit. Il dit que c'est la raison pour laquelle il parle en parabole. Afin que ceux qui veulent entendre et savoir plus aillent plus loin, mais que ceux qui ne veulent pas entendre, eh bien, ils ont entendu. Mais ils n'ont rien compris. Et ce matin, chacun de nous, nous avons une part à faire dans notre volonté de connaître Dieu ou de ne pas le connaître. Enfin, la dernière révélation, c'est le sommet de la révélation. C'est le sommet, c'est la plus belle et la plus grande des cachettes. C'est en son Fils, Jésus, devenu homme. Hébreux chapitre 1, verset 1 dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. » Voyez-vous, Jésus n'est pas venu comme un de ces super-héros de Marvel, Captain America, Thor, comment il s'appelle encore, tous ces machins-là. Il vient nous éblouir. Waouh! Une espèce de héros intergalactique. Il n'est pas non plus une star planétaire, mais le Tout-Puissant se cache dans un petit bébé. Hé, un petit bébé. Un tout petit bébé qui va grandir et devenir un garçon, puis un jeune homme. Mais ce jeune homme, il est pendant 30 ans, il est comme caché, invisibilisé. Sa nature profonde est comme invisibilisée. Mais il est là. Il est juif. À tous ceux qui sont antisémites ou racistes, Jésus était juif. Vous aimez Jésus? Vous ne pouvez pas être antisémite, ni d'ailleurs raciste. Dites pas trop fort amen, hein, c'est un peu doux. Hein. Il est caché dans son Fils. Son Fils, Dieu, caché dans un bébé. Et il n'y a que quelques-uns qui l'ont vu, que c'est lui. Son père, sa mère, Élisabeth, sa cousine, Zacharie, le mari de la cousine, Siméon, Anne, c'est à peu près tout. Même ses frères et sœurs n'ont pas vu pendant longtemps, avant qu'il ne parte au ciel. Et puis, ceux qui avaient vraiment compris, c'était les démons. Alors eux, quand ils le voyaient venir, ils savaient qui il était. Derrière l'apparence humaine, physique de Jésus, les démons savaient qu'il y avait le Fils de Dieu.
C'était dit récemment. Jésus, Dieu, s'est caché en son Fils. Dans des gens comme vous et moi. Je ne sais pas si c'était grand ou petit, blond, blanc, blond, brun, jaune, vert. Enfin, je... Il était quelqu'un de simple. Apparemment, ce n'était pas une star du cinéma. Hein. Brad Pitt ou... C'était pas ça. Hein. Il n'avait rien pour nous plaire, dit Esaïe. Alors, troisième question maintenant, comment le trouver? Je vais finir à l'heure, rassurez-vous. Le poulet ne sera pas trop cuit. Mais comment le trouver? Pourquoi il se cache? Où il se cache? Maintenant, pourquoi? Où le trouver? Comment le trouver? Eh bien, c'est assez simple. C'est comme au cache-cache. C'est à force de chercher que vous trouverez. Hein. C'est Jérémie qui le dit, « Va, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29, verset 13. Autrement dit, « Vous me trouverez si vous me cherchez sérieusement. » Et comme ça, il y a des gens qui viennent dans les églises, ils ne viennent pas pour chercher Jésus, ils viennent pour autre chose. Critiquer, se moquer... Ouais, bon, bref, on fait avec. Non, non, mais si vous cherchez Jésus, vous allez le trouver. Vous allez le trouver. Jésus l'a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez. Cherchez-vous. Cherchez-vous. Psaume 34, verset 5 dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché. À des moments donnés, la prière passe plus loin, on cherche vraiment, parce qu'on a besoin vraiment d'une réponse. Cherchez, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alors ça, c'est un peu l'effort humain. Mais j'aimerais vous dire que l'inverse est vrai aussi. C'est autant vous le cherchez, autant lui vous cherche. Cherchez et vous le trouverez. Mais j'aimerais dire, laissez-le aussi vous chercher. Laissez-le vous chercher. Comme il a cherché ses deux amis, Cléopas, il les a cherchés, dans le sens noble du terme. Hein. Il a voulu les rencontrer, les cheminer avec eux, leur faire l'explication de texte pour qu'ils puissent le trouver. Il y a cette magnifique histoire dans Luc 19, vous la connaissez, je vous la cite, on ne va pas la lire, mais c'est Zachée. Ce collabo, cet collecteur d'impôts qui travaillait à la solde des Romains, des gens méprisés à l'époque. Mais voyez-vous, on a beau être méprisé par les autres, être un collaborateur, on peut avoir un cœur vide et avoir soif de vérité et de spiritualité. Et quand il a appris que Jésus allait venir dans la ville, il a voulu voir lui aussi. Quand il était petite taille, il s'est mis sur un sycomore. Et puis il a vu Jésus arriver et il était perplexe et il avait soif. Et voilà que Jésus s'arrête devant le sycomore, regarde dans l'arbre et dit « Zachée, descends de l'arbre, je veux venir chez toi aujourd'hui. » C'est ça alors, hein? C'est comme si Jésus savait qu'il était là et qu'il voulait venir chez lui, mais c'est exactement ça. Voyez-vous, Jésus a comme ça fixé des rendez-vous avec des gens, Zachée à Jéricho, la Samaritaine à Sichar. Pour aller de la Judée en Galilée, c'est un détour, Sichar. Mais Jésus est allé exprès à Sichar, à l'heure de midi, parce qu'il savait que cette femme allait être là et qu'elle allait devenir l'évangéliste des Samaritains. Tout comme il savait aussi qu'en allant chez les autres, l'autre côté du lac de Génézareth, chez les gens qui mangent du cochon, ces gens qu'on ne fréquente pas, ces mécréants, eh bien, ce possédé-là, c'est notre homme. C'est lui, il faut que je le rencontre. Il est allé à la rencontre, il les a cherchés. Premier cas, Zachée, autant Zachée le cherchait, autant Dieu cherchait Zachée. Et il nous cherche encore, encore et encore. J'aimerais conclure parce que le temps approche, la fin. Mais où est Dieu dans tout ça? Mais où est Dieu dans tout mon marasme? Mais où est Dieu dans mes mauvaises décisions? Mais où est Dieu dans ce monde qu'on vit? Honnêtement, l'autre jour, j'ai regardé la télé, je me suis dit, mais, à vue humaine, je ne suis pas sûr qu'il soit là. Hein. Et quand je reviens ici tous les dimanches, je me dis, mais
Waouh, il est là. Parce que Dieu agit envers, contre et malgré tout. C'est un texte qui disait, on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Osons un peu ouvrir les yeux ce matin et regarder ce que Dieu fait. Comment il cherche et sauve des gens. Comment il travaille dans nos propres circonstances. Alors rappelons-nous qu'il se cache parce qu'il est d'une nature spirituelle, il est esprit, et parce qu'il est humble de cœur. On se rappelle comment il s'est approché de Cléopas et de son ami. Et dans ton désarroi, je suis persuadé que Dieu veut se rapprocher de toi. Il se cache dans différents endroits, derrière le voile de la nature, de la conscience, dans les hasards. Le hasard qui m'invite à venir avec moi au vœu du maire. Il me téléphone, Samuel me dit, écoute, je vais ce soir au vœu du maire, j'ai envie d'y aller, mais pas tout seul, tu peux venir avec moi. Et j'essaie de trouver une esquive. Et puis finalement, j'ai dit oui. Et pendant que, ce qu'il ne savait pas lui, mais ce que mon épouse et moi on vivait, c'est qu'on avait un souci avec une de nos filles au niveau scolarité, il fallait trouver une solution, une autre alternative que le chemin traditionnel. Et je n'avais pas de solution. Quand je vous dis pas de solution, le mur se rapprochait tous les jours. On n'avait pas de solution. Mais le hasard a voulu que ce jour, Sam m'invite à venir avec lui au vœu du maire. Et quand on y arrive, dans l'amphithéâtre, il va voir un monsieur que je ne connaissais pas, qui, comme par hasard, s'avère être le directeur d'un centre de formation pour des jeunes comme ma fille. Comme par hasard. Et quand j'ai posé des questions à ce monsieur, comme par hasard, il s'occupe de jeunes qui ont les soucis que ma fille a. Comme par hasard. Et comme par hasard, à la fin de la rencontre, je lui dis, mais voilà ce qu'elle vit, etc. Et il me dit exactement, il décrit les symptômes de ma fille. Je dis, mais c'est incroyable, c'est comme s'il était à la maison chez moi hier soir. Et comme par hasard, il restait une seule place pour elle. Comme par hasard. Comme par hasard, c'est hasard, c'est hasard, c'est hasard, c'est hasard. Alors comment le trouver dans les Écritures, dans son fils, etc. Eh bien, je vous encourage à le chercher, et à le chercher sérieusement. Et vous le trouverez, j'en suis sûr. Peut-être vous cherchez Dieu actuellement, vous êtes au bon endroit, continuez de chercher. Peut-être c'est le hasard qui vous a amené un jour sur Internet à nous regarder. Ben, merci d'être venu, continuez à revenir. Parce que Dieu vous cherche, vraiment. Peut-être par hasard, quelqu'un vous invite à venir ici. Par hasard, vous avez reçu le livre de Jean-Peter Schmitt. C'est Jérémie qui nous a raconté qu'une de ses tantes, à qui j'ai essayé de parler de Jésus, et elle n'avait pas forcément envie d'entendre trop, voilà qu'elle va, écoutez bien, elle va à l'autre bout du monde en vacances, à Phuket. Vous vous rappelez de Phuket ? Hein, là, il y a le fameux tsunami. Elle est allée avant ou après, je ne sais plus. En tout cas, elle y est allée. Et là, elle avait une armée, rien à faire. Elle va à la bibliothèque de l'hôtel. On est à l'autre bout du monde. Et elle cherche dans les livres français. Et elle tombe sur le livre de Jean-Peter Schmitt. Ah, mais ça, alors, hein, c'est... Ah, mais c'est ça, alors. C'est hasard. C'est quand même fort de café, c'est hasard, non? Vous ne trouvez pas? Elle est en chemin, cette dame. Alors, je vais dire, cherchez Dieu et laissez-vous chercher. Mais soyez comme des petits-enfants. Soyons comme des petits-enfants. On n'est pas naïf, mais on est candide. On n'est pas naïf, mais on est candide, comme des petits-enfants. J'aime cette phrase de Jean-Peter Schmitt, mon pasteur préféré. Il disait, si vous ne devenez comme des petits-enfants, hein, et surtout des petits-enfants, je te loue, dit Jésus, je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre, lorsque tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Mais moi, frère, je doute. Je doute, j'ai du mal, je doute. Je veux répondre à ce que Blaise Pascal a dit. Douter de Dieu, c'est y croire. Douter de Dieu, c'est y croire. Et en le trouvant, on trouve la vie avec un grand V. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La plus grande révélation, la plus grande des cachettes que Jésus a donnée au monde, c'est son Fils lui-même. C'est d'ailleurs étonnant quand, à un moment donné, juste avant qu'il soit arrêté, il y a cette fameuse discussion
où les disciples, deux disciples disent mais montre-nous le Père et ce sera bon. Et Jésus de dire mais ça fait 3 ans que je suis avec vous et vous n'avez pas vu. Il dit comment ça pas vu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu? Regardez qui est Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, peut-être maintenant c'est le moment de relire vos circonstances avec une nouvelle grille de lecture. J'invite les musiciens à monter, et peut-être Samuel, préparez pour la prière. Peut-être c'est le moment de relire vos circonstances avec une nouvelle grille de lecture, un peu comme Joseph l'a fait, le fils de Jacob. Il aurait pu être archi déçu de ses frangins qui l'ont vendu. Sacré hasard. Et puis après, il était par hasard vendu à Potiphar, un officier du roi. Et puis après avoir été injuste, après avoir résisté à la fin de Potiphar, il part en prison. Comme par hasard, arrivent les chansons du roi et le boulanger. Et ils ont par hasard deux rêves. Ils le leur expliquent et ils s'accomplissent. Et 2 ans plus tard, c'est par hasard que les chansons se rappellent. Quand personne n'arrive à interpréter le rêve de Pharaon, les chansons se rappellent d'un co-détenu, un hébreu. Ils le font chercher et Joseph passe d'un instant à l'autre de la prison à la gloire. Mais le plus beau, c'est à la fin de la vie de Jacob. Jacob est parti, la Genèse 50. Tant que le père était là, les frangins se sont dit, il restera tranquille. Mais le jour où le père sera parti, alors là, Joseph risque de se réveiller. Et quand les frères viennent tout penauds, ils disent, écoute, notre père défunt te fait dire que pardonne à tes frères. Il se met à pleurer. Et voilà la lecture que Joseph fait de ses troubles, de ses années de misère et de souffrance. Il dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu m'a amené ici afin de vous sauver. Se pourrait-il que ton malheur ou ta difficulté devienne un jour source de salut pour d'autres? Et enfin, à tous ceux qui, peut-être, sont en recherche de Dieu, j'ai envie de vous dire, vous pouvez aussi jouer cache-cache avec Dieu. Comme moi avec ma fille. Je lui disais, Zoé, t'es où? Et elle de répondre, je suis là. Et ce matin, vous devriez dire, bon Dieu, t'es où? Vraiment, t'es vraiment où? Et vous savez quoi? Je suis persuadé que tout à coup, Dieu vous dira, je suis là. Je suis là. J'étais là l'autre jour, quand le policier n'a pas vu que j'avais passé la limitation de vitesse. J'étais là quand tu avais tellement de désarroi et une collègue gentille t'a encouragé. J'étais là quand tu as voulu faire des bêtises et que j'ai fait des choses en sorte que tu ne puisses pas les faire et tu étais fâché. J'étais là. Joseph, j'étais là en 39 quand tu avais ce rêve. En 41 quand tu avais ce rêve. J'étais là. J'étais là quand ton gamin a braillé dans la voiture et que la seule station qui collait et qui ramenait ton enfant au calme était cette station chrétienne. J'étais là. Prions ensemble. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est toujours là. Est-ce que vous le croyez? Parfois, il est là pour nous éviter une amende. La semaine dernière, j'en ai reçu une. Je pense que c'était pour me corriger. Mais ce que je sais, c'est qu'il est, il est présent parmi nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Quelqu'un disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Et nous bénissons Dieu pour sa parole ce matin. Mais pendant que nous sommes là, que nous fermons nos yeux, nous allons chanter ce vieux cantique qui dit « Dieu est là ». Dieu est là. Tant de fois où nous avons pu vérifier que Dieu est là.
Et il est là ce matin. Et s'il y avait dans ce lieu une seule personne qui désirait le rencontrer, c'est le moment. Parce qu'il est là. Il était là lorsque nos bien-aimés ont eu cette échographie, ont eu cet examen, et où tout allait dans le même sens. Il était là avec eux. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il est là. Nous ne lisons pas toujours ce qu'il fait. De la manière où il veut nous parler. Nous avons parfois du mal à lire ce qu'il nous dit. Parce que, oui, une fois il agit de cette manière-là, mais une autre fois il agit autrement. Mais dans les deux cas, il est là, quel que soit le langage. Alors ce matin, s'il y avait une seule personne, je voudrais pas arriver au terme de cette rencontre en ne vous donnant pas l'occasion de lui dire « Mais je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Je veux t'appartenir. » Si alors que nous sommes là réunis et nos yeux sont fermés ici dans ce lieu, mais également sur le net, vous désiriez le faire. Dans ce lieu, j'aimerais juste vous demander de lever votre main, puis de la baisser, je prierai pour vous. Je prierai simplement que vous puissiez le rencontrer. Nous restons dans la prière. Vous levez votre main, vous la baissez, votre main levée signifie « je le désire ». Oui, monsieur. Oui, vous pouvez baisser votre main. Père, merci pour chaque personne ici présente qui ce matin lève sa main. Et chaque personne, Seigneur, qui là en direct, devant son écran, te dit « je veux te connaître ». Tu as dit « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Et je te bénis parce que tu ne mets pas dehors ceux et celles qui viennent à toi. C'est toi qui as fait le chemin du ciel vers la terre pour nous rencontrer. Et nous te bénissons de ce que tu es là ce matin et de ce que tu veux donner une vie nouvelle à nos amis qui, en levant leurs mains, disent simplement « Je t'invite à venir dans ma vie. » Au fond de vous-même, dites-le-lui « Ô Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Ô Dieu, je t'ouvre mon cœur. Je t'accueille ce matin. » Confessez Jésus comme votre sauveur. Recevez-le parce qu'il est là. Et vous, chers amis qui êtes devant vos écrans, de la même manière, formulez la prière dans laquelle vous invitez le Seigneur à venir. Il n'y a pas de formule. Il y a juste un cœur sincère qui dit « Je veux te rencontrer. Je désire marcher avec toi. » Père, je te remercie de tout cœur. Je te remercie de tout cœur pour le don gratuit que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous donne la vie éternelle. Je te loue de ce que ce n'est pas nous qui nous sommes élevés vers le ciel pour te chercher, mais c'est toi qui es descendu sur la terre pour nous rencontrer et pour nous aimer. Merci infiniment de ce que tu es là ce matin et tu vois tous les bien-aimés qui ont fait ces démarches. Je te loue pour les changements qui ont lieu. Je te loue pour les transformations qui ont lieu. Il y a pendant que nous prions, une personne, monsieur, vous nous suivez, vous êtes très dubitatif quant à ce que vous avez entendu, mais en même temps, au fond de votre cœur, vous dites, vous êtes en train de dire, mais si c'est vrai, je veux le vivre. Et vous avez un problème, c'est que vous êtes addict à l'alcool. Et lorsque je dis addict à l'alcool, c'est addict en particulier aux alcools forts. Et un alcool en particulier, c'est que chaque jour, vous avez besoin de boire le même alcool, chaque jour.
chaque jour. C'est chaque jour, vous avez besoin de whisky, chaque jour. Et pas un verre, mais bien plus. Et vous êtes en train de suivre ce culte. Maintenant, vous n'êtes plus dubitatif, vous savez que Dieu vous parle. Il veut changer votre vie. Et ça va commencer par le fait que vous n'aurez plus envie de boire. Et ça va commencer aujourd'hui. Mais non seulement vous n'aurez plus envie de boire, mais cela vous dégoûtera. Il est présent, il est là. Et c'est lui qui vous touche en cet instant. Père, je te bénis pour ta fidélité. Et je te remercie de ce que ta parole ne revient jamais sans effet. Quelle grâce! Nous voulons te chanter, te louer de tout notre cœur. Pouvons-nous chanter « Dieu est là » ? Et peut-être êtes-vous dans la maladie, peut-être êtes-vous dans la douleur, dans la souffrance. Lorsque nous étions avec Benjamin dans cette vallée de l'ombre de la mort pendant tant de temps, lorsqu'il nous semblait que nous n'en sortirons jamais, Dieu était là. Et un beau jour, j'ai entendu cette parole claire. Satan, tu ne les touches plus, c'est terminé. Le lendemain, notre fils était guéri. Il est là. Il est là même, il a été là même quand moi je ne le voyais pas. Il a été là, il l'a accompagné, il l'a protégé, il l'a gardé. Combien de fois il aurait pu perdre la vie ? Il était là. Confesse-le ce matin au travers de ce chant. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si Dieu est parfait en son temps, en son temps.
te bénissons parce que tu es là et tu fais toutes choses belles en ton temps. Comme chaque saison a sa raison d'être et comme à chaque saison il est nécessaire que certaines choses soient faites pour préparer la suivante, ainsi en ton temps tu fais toutes choses belles. Tu ne viens jamais à nous hors saison, mais tu viens toujours à nous dans la bonne saison. Et je te bénis pour, Seigneur, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, l'Église. L'Église dans ce lieu, mais l'Église également là, devant les écrans. Je bénis chacun et chacune et je te loue de ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Toutes choses belles en ton temps à toi. Parfois le temps nous semble long. Parfois nous avons le sentiment que tu nous as oubliés. Et pourtant, en ton temps, tu interviens. Et si tu arrives tard, tu n'es jamais arrivé trop tard. Que ton nom soit béni. Donne de la joie, mes bien-aimés. Donne, Seigneur, cette paix intérieure. Que vraiment, nous soyons conscients de ta présence jour après jour. À toi la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde. Bonne rentrée à toutes et à tous. Et que sa présence soit avec vous. Mes amis, vous qui êtes sur le net, bienvenue. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver, vous le savez très bien. J'espère que vous allez bien en tout cas. Merci pour vos questions. Les réponses, c'est dans un instant. Juste après le générique. On se retrouve tout de suite, les amis. À tout de suite. Par contre, je vous entends. Alors, tu dis, retour sur le plateau. Ah ouais, déjà. Oui. Le générique, c'est fini. Comment tu vas, Claude? Je vais mieux. Je vais toujours mieux après. Après super. Le message. On est comme une espèce de... Je plaisante là. Hein. Disons, c'est une salle d'accouchement. On accouche le message, on le délivre. Et après, on est soulagé. Voilà. Mais merci pour ton message. C'était un beau message. Je t'en prie. Encourageant surtout. Merci beaucoup. Je t'en prie et j'espère que ça va encourager tous nos amis internautes aussi qui nous ont suivis ce matin. L'idée derrière moi d'encourager, de commencer à comprendre qu'il y a une grille de lecture qui nous permet de voir Dieu là où apparemment il n'est pas visible. Mm-hmm. Hein, il est esprit, on ne voit pas, mais aussi dans notre quotidien, il est là. Mais des fois, on se dit, mais il est où? Je ne comprends pas. Et puis ça peut nous perturber, un peu à l'image de ces deux disciples qui étaient traumatisés quand même. C'est un jour de résurrection. Mm-hmm. Nous, on fait ça comme une grande joie, parce que nous, on sait. Mais eux, ils ne savaient pas vraiment, ils n'étaient pas vraiment sûrs. D'ailleurs, le reste du texte, que je n'ai pas fini de lire, on se rend compte que les disciples, même en voyant Jésus apparaître dans leur milieu, ils proclament la paix sur eux, ils le voient, mais il y a un moment donné, ils ne croient pas. Quoi. C'est trop beau pour être vrai. Quoi. Mm-hmm. Et il faut qu'ils mangent avec eux, il faut qu'ils le prouvent. Ça nous prouve que... Parfois, on peut être comme les disciples. Même quand Dieu répond à nos prières, la réponse est tellement surprenante des fois et tellement renversante qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment Dieu? Oui, c'est vraiment le Seigneur. Mais justement, cette notion de cachette, elle laisse certains de nos amis se perplexes parce que il y a une question, par exemple, qui dit, on dit souvent que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les personnes qui nous aiment vraiment. Oui. Donc, comment comprendre que Dieu qui nous aime puisse se cacher alors qu'on traverse des moments difficiles? Autrement dit, Dieu peut-il se cacher même durant l'épreuve? Alors, je pense que oui. On a toutes ces belles anecdotes où on voit des hommes et des femmes qui passent des choses très difficiles. Je pense à Élie qui descend du Mont Carmel. Il a vu Dieu lui livrer les prophètes de Baal. Il a vu le feu tomber, consumer son autel. Il a vu tout ça. Il l'a vu. Il a prié après pour que la pluie arrive. La pluie arrive. Hein, je veux dire, il l'a vu. Et pourtant, la minute d'après, le jour suivant, quand il a les menaces de Jézabel, il est complètement atterré.
c'est pas qu'il dit mais où est Dieu, mais il sait plus quoi. Il est complètement atterré, il est déstabilisé, il est littéralement apeuré au point de fuir dans le désert pour aller y mourir. Et c'est là que Dieu va le visiter avec un ange, lui donnera du pain et de l'eau et du sommeil. Repose-toi, tu as fait trop, tu as peut-être fait un burn-out, en tout cas un début de burn-out. Mm-hmm. Il se repose et il fait 40 jours de marche. Et là, Dieu le rencontre, non pas dans un grand bruit, non pas dans un, de nouveau, quelque chose de très très doux, le souffle doux et léger de la brise du soir qui vient, et cet homme va être régénéré, revigoré, remotivé, et puis il repartira pour une deuxième phase de son ministère. Donc oui, Dieu peut, visiblement Dieu n'est pas physiquement là, mmh. On ne le voit pas, mais il est là. Et notre difficulté à nous, c'est d'avoir des fois une grille de lecture qui nous fait penser qu'il nous a largués, qu'il nous a lâchés. Et pourtant, il ne nous lâche pas, sa promesse est qu'il ne nous abandonnera point, il ne nous lâchera jamais. Et donc voilà, mais ça n'empêche pas qu'on passe des moments difficiles dans lesquels ces questions montent à la surface. Et il veut nous faire apprendre à marcher par la confiance, par la foi. La marche par la foi est cette marche qui nous invite à regarder au-delà des réalités qu'on voit. Mmh. Regarder dans une deuxième grille de lecture plus profonde où on se dit, mais c'est pas possible. Je parle de l'exemple de ma fille, cet événement avec mon enfant qui souffre d'un souci de santé. D'un handicap. Et honnêtement, fin de l'année scolaire, les profs nous ont convoqués. Elle est en première, voilà. Elle est. C'est pas qu'elle est mauvaise élève, c'est juste que c'est trop. Donc on a essayé de séquencer ça pour un bac en 3 ans, mais ça n'allait pas. Bref, on s'est rendu compte en sortant de ce rendez-vous qu'il faut changer d'orientation, qu'elle n'y arrivera pas. Sauf qu'il n'y a pas d'autre voie pour elle. Il n'y a pas la voie technologique, par exemple, ou une autre voie. Il n'y a juste pas. En tout cas, on ne connaissait rien. La seule chose que je connaissais, c'est une maison en Suisse, dans le Jura suisse. Mais je ne suis pas suisse, je suis français. Donc comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment entreprendre? Et avec Caroline, nous avons prié. Et on a passé des fêtes de Noël assez difficiles, vraiment difficiles, d'autant plus qu'elle nous faisait une dépression et qu'elle avait une explosion de dysfonctionnement sensoriel. Donc elle était vraiment très très mal. Et quand un enfant va très très mal, les parents ne vont pas très bien non plus. Hein. Mmh. Et donc, on a prié. Et je suis arrivé le jour de l'an, le soir du culte, je suis arrivé ici. Et j'étais abattu. Je suis arrivé, à tel point abattu que j'ai raté l'heure. Je suis arrivé en retard. Un point pasteur qui rentre dans son église en retard, ce n'est pas très bien. Mais je n'étais pas de service, donc. Mais bref, je me suis avancé et tout à coup, Sam qui dit cette phrase, parce que j'avais dit, Seigneur, je suis fatigué, ma tête est fatiguée, je ne sais plus quoi faire, je n'ai pas de solution et mon enfant va mal, qu'est-ce que je fais? Et Sam qui dit cette parole d'Ésaïe, je donne de la force à celui qui est fatigué. Wow. Et je renouvelle l'énergie de ceux qui sont en train de défaillir. Et waouh! Et quelques instants après, il dit, et Dieu continue, Ésaïe 45, hein, où il dit, j'ouvrirai des portes des reins, je briserai des verrous de fer, je donnerai des trésors cachés. Et j'ai pris ça comme du petit lait pour moi. J'ai dit, mais c'est Dieu qui me parle. Mm-hmm. Je suis rentré, j'ai dit, Caroline, Dieu nous a parlé. Elle dit, ça et ça. Elle me dit, oui, mais moi, j'ai mon problème, quoi. Oui, mais j'étais en paix, et puis j'avais pas de solution. Donc c'était le premier, c'était un lundi. 8 jours après, Sam me téléphone l'après-midi et me dit, écoute, je suis invité au vœu du maire, tu vas pas venir avec moi ce soir, et j'ai pas vraiment envie d'y aller. Bref, j'y suis allé, et l'histoire, je l'ai racontée déjà tout à l'heure. Mmh. Et là, je rencontre avec, entre guillemets, le hasard fait bien les choses, je rencontre cet homme qui, quand je parle de ma fille, me décrit ses symptômes. Et je dis, mais comment vous connaissez? Il dit, mais je travaille avec ce genre de jeunes. Et il restait une place. Je veux dire, il y a des moments donnés où, oui, la première lecture, c'est on ne voit rien, on prend le mur, on prend le problème en face. Mm. Dans une deuxième lecture plus profonde, où on se repose dans notre confiance en Dieu, que Dieu est là, et tout à coup, Dieu ouvre des portes s'ouvrent. Ouais. Des portes s'ouvrent. Il y a ce verset qui dit, dans Ésaïe 50, je ne sais plus, 53, je crois, il dit, non, pas 53, 56, il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mm.
Et du coup, cette histoire-là avec notre fille, ça m'a vraiment enlevé toute légitimité de m'inquiéter pour elle. Ça fait bien plusieurs reprises dans sa scolarité, à chaque fois qu'il fallait qu'il y ait des choses qui arrivent, à chaque fois Dieu est intervenu. Et donc, ça m'a enlevé la légitimité de m'inquiéter. Et du coup, ma foi grandit. Et c'est un peu ça aussi. Mais c'est important ce que tu dis dans le sens où tu es un pasteur et tu traverses des moments difficiles. Et même toi, en tant que pasteur, il t'arrive de te poser certaines questions que le commun des enfants de Dieu, des disciples du Seigneur pourraient se poser. Et c'est un encouragement, ce que tu expliques justement, de leur dire que le Seigneur est là et qu'il faut toujours compter sur lui. Et concernant le Seigneur qui agit dans les moments difficiles, on a une question, par exemple, de Alphonse, qui concerne la notion de chercher Dieu. Oui. Parce que c'est une expression qui semble être incomprise par plusieurs. Parce qu'il y a deux questions qui se rejoignent. Je lis la première. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai du mal à comprendre cette expression « chercher Dieu ». Comment chercher Dieu, notre Père, alors qu'il est partout et nous voit en tout temps et sait ce que l'on vit ? Quand on dit « chercher Dieu », c'est davantage une question de prendre du temps pour s'ouvrir à écouter, à l'écouter davantage, être plus attentif, être davantage, je dirais, consacré ou en tout cas concentré sur lui que de penser qu'il se soit égaré dans l'univers. Et il est tout près, il est là. Sauf que des fois, parce qu'on est pris dans le tumulte des activités, dans le rythme soutenu de nos quotidiens, qui fait qu'on n'a pas le temps d'écouter, on n'a pas le temps de faire des temps de silence. Or, moi, je crois profondément à cette notion de savoir faire des temps de silence. Dieu est l'ami du silence, disait Mère Teresa. D'avoir des temps de silence, des temps où on s'assied, on prend la Bible, on écoute, on partage nos fardeaux, Seigneur, on le contemple, mais après on l'écoute aussi. La prière, dans la parole de Dieu, elle est considérée comme un aller-retour. Par rapport à la prière, est-ce qu'il y a un programme de prière ? Est-ce qu'il y a un programme de prière quand on dit chercher Dieu ? Est-ce qu'il faut toujours être disponible à certains programmes de l'Église pour pouvoir mieux le chercher ? Est-ce que tu peux donner de façon concrète vraiment des idées de solutions, bien sûr, à des amis qui sont en permanence à la recherche de Dieu et qui n'arrivent pas? Oui. Je pense qu'il y a une première étape, c'est de se détacher. De dire maintenant, il faut que je m'isole. D'accord. C'est ce que Jésus dit. Mais quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Aujourd'hui, je dirais coupe Internet, coupe toutes les sollicitations. Et là, dans le secret de ta chambre, prie ton Dieu, parle. C'est déjà de s'isoler physiquement. D'accord. Deuxièmement, peut-être moi, ce que j'utilise, c'est le parcours de notre Père. Parce que c'est des grandes thématiques. D'abord, on adore Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et je me rappelle qu'il est mon berger, qu'il est ma justice, qu'il est ma sainteté. Ensuite, je prie que sa volonté se fasse dans ma vie déjà, dans celle de mon épouse, mes enfants, dans celle de mon activité de la journée, dans celle de mon église, celle des choses que je supervise, que je gère. Ensuite, je prie pour le pain quotidien. Je dis, donne-moi le pain de ce jour. Donne-moi le pain de ce jour. J'ai besoin que tu me parles. L'homme n'est pas seulement de pain physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est donc du pain frais tous les jours. Et Dieu se plaît à nous donner des inputs quotidiennement. Puis ensuite, je calibre ma vie intérieure par rapport à mes émotions, et à mes motivations ou à mes réactions. Je pardonne à ceux que je dois pardonner. Et je me prépare déjà à pardonner à ceux qui pourraient m'offenser dans la journée. Je prie, Seigneur, aide-moi déjà à pardonner à ceux qui aujourd'hui pourraient m'offenser. Que je sois prêt. Je me discipline intérieurement. Ouais. Et enfin, je prie au Seigneur de me garde. Hein, il y a des choses dont je ne serai pas épargné dans les tentations, mais il y a des tentations qui peuvent être trop fortes, aussi pour moi en tant que pasteur. Donc qu'il me garde. Et je prie qu'il me garde du mal, qu'il me garde de faire du mal, de dire du mal, de penser du mal, qu'il me garde de pécher par omission. J'aurais pu faire du bien, je ne fais pas le bien que j'aurais pu faire, etc. Et enfin, je finis par lui rendre gloire, je le loue. Alors, quand j'allais mieux à l'époque, je prenais ma guitare, je jouais ma guitare. Moi, ça m'aidait beaucoup à pénétrer dans un temps de calme. Je chantais un ou deux cantiques seuls. Un instrument, voilà, je loue le Seigneur. Et je laisse le calme s'installer dans ma pensée. Et après, Dieu peut me parler.
Et c'est incroyable comment un verset qui revient à l'esprit, ou un texte quotidien quand on lit, du coup, un truc qui sort du, un texte qui sort du contenu, qui sort du texte, qui me parle maintenant à moi aujourd'hui. C'est la façon dont Dieu se sert de sa parole pour nous nourrir au quotidien. Et donc ça me garde dans une, je dirais, dans une dynamique intérieure qui me permet d'affronter mes quotidiens. Alors, est-ce que Dieu peut décider de se cacher d'une personne, c'est-à-dire une personne qui en permanence est en train de le chercher, mais tu ne le retrouves pas, qui ne trouve pas Dieu, qui traverse des moments difficiles, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui a l'impression que sa vie n'est que difficulté. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne pour l'encourager dans sa recherche de Dieu ? Je pense que le mot-clé dans cette histoire, c'est l'impression. Parce que Edun, je voulais dire à cette brave personne, frère ou sœur, que nous passons tous des temps difficiles. Nous avons tous connu des périodes difficiles. J'en ai connu des très difficiles. Mais Dieu n'a jamais manqué à sa promesse d'être fidèle. Donc, quand on a une impression, l'impression peut être faussée. L'impression peut être fausse parce qu'on a cette impression que Dieu n'est pas là et pourtant il est là. Deuxièmement, je priais pour cette personne, que ses yeux s'ouvrent. Lorsqu'on a lu ce matin le texte de Luc 24, il est dit « Dieu leur ouvrit les yeux ». Il leur ouvrit les yeux. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont ouvert les yeux. Il y a besoin de grâce. Que tout le temps, les yeux s'ouvrent. Attention, c'est un peu à l'image de Géasi, le serviteur d'Élisée, qui voyait les chars et l'armée ennemie. Et son maître Élisée était tout tranquille. Il dit, mais regarde un peu, on va être fracassé. Et Élisée prie que les yeux de son serviteur s'ouvrent, afin qu'il voie ce qu'Élisée voyait. Les chars et l'armée de l'Éternel qui étaient au-dessus, qui étaient beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus fortes que ce qu'il va y en face. Donc il y a deux niveaux. Et puis qu'elle puisse arriver dans la paix, c'est dans le calme et la confiance, c'est de retrouver ce temps de calme dans la difficulté. Parce que c'est là que quand on est dans la difficulté, on peut être perturbé, on peut tellement émotionnellement être sens dessus dessous, on ne sait plus, on n'a plus de conditions nécessaires pour entendre, pour capable d'entendre. Le calme, le fait de entrer dans le calme est une condition nécessaire pour entendre, afin que on puisse relâcher. C'est intéressant ce que tu dis. Et en parlant tout à l'heure, tu as parlé de dépression quand tu répondais à une des questions. Et justement, Nathalie, elle demande comment prier quand on est en dépression, justement. Alors, dans le quick fix, je dirais psaume 42. Okay. C'est la recette facile. Psaume 42. Hein, David dit « Pourquoi mon âme t'abattue au-dedans de moi ?» Il pose une question. Il dit, il prend acte. Je suis abattu. David, le roi, le grand psalmiste, l'homme de Dieu, selon le cœur, il dit, je suis abattu. Pourquoi je suis abattu? Pourquoi je suis tellement abattu? Et il répond tout de suite et il dit, espère en l'Éternel. Espère, c'est-à-dire, continue de te confier en lui. Lui, il n'est jamais abattu. Il n'est jamais fatigué. Il ne manque pas à sa promesse d'être avec nous tous les jours. Et il sera là. Et c'est même en écho, on entend Jérémie dans ce livre des Lamentations. On se rappelle quand même qu'une bonne partie des psaumes sont des psaumes de lamentation. Je pourrais vous en citer plusieurs. Des psaumes où les psalmistes se lamentent. Ils disent, je ne vais pas bien. Pourquoi je ne vais pas bien? C'est quand tu vas venir me délivrer? Il y en a même un qui dit, psaume 73, il dit, dépêche-toi de me secourir. Enfin, il le dit autrement, il dit, hâte-toi de me secourir. Ça veut dire, grouille-toi, oui, quoi. Ben oui. Dépêche-toi, je vais mal. Ah bon? Le psalmiste peut dire ça? Mais oui, c'est aussi une réalité que le croyant peut vivre et que Jérémie a vécu dans les Lamentations, si vous le lisez, chapitre 1, 2 et 3, du verset 1 au verset 19, mais c'est effarant ce qu'il dit. T'as été comme une... Il parle de Dieu, hein, il dit, t'as été comme une ours qui est venue me prendre ses petits. Tu m'as rempli ma bouche de gravier. Il n'y a plus de bouche de gravier, il n'y a plus de salive. Enfin, je veux dire, il dit, quand l'absente traverse mon âme, quand mon âme est remplie d'amertume, voilà ce dont je veux me souvenir. Et
il fait un clic, il fait un shift. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et il finit comme ça. Oh, que ta fidélité est grande. Soyez encouragés, chers amis, vous qui passez par des moments de dépression, vraiment, soyez encouragés parce que le Seigneur est avec vous, il est là et il va se souvenir de vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a tellement d'hommes de Dieu. Hein. Élie est passé par là, il y a tellement, on a parlé de David, on a parlé, il y a tellement de serviteurs de Dieu qui sont passés par là. Assurément que Dieu vous prépare quelque chose de bon. Soyez vraiment persévérants, les amis. Je vous donne un mot à ceux qui sont dans la dépression, j'ai connu ça. Ok, j'ai pas été un dépressif profond qui avec des gros médicaments lourds. J'ai quand même pris des médicaments pendant un temps et j'ai connu cette dépression, ce côté, cette maladie de la volonté qui n'arrive plus. Vous voudriez faire quelque chose, mais au fond de vous, ça fait et tout le temps difficile. Tout est difficile. Vous levez, c'est difficile. Vous habillez, c'est difficile. Faire un bain de toilette, c'est difficile. Manger, c'est difficile. Tout est difficile. Tout est une montagne. La topinière est une montagne. Et dans ces moments-là, on a du mal, parce qu'on se dit, mais dans ce moment, où est Dieu, mais est-ce qu'il peut m'en sortir de là? Et je me rappelle avoir vécu ces moments extrêmement difficiles où je partais dans les champs. D'ailleurs, chez moi, j'ai les champs, je suis allé marcher. Et il y a des moments donnés, il y a ces moments où j'ai dit, mais Dieu, je ne vaux plus rien, je ne sais plus quoi faire, je ne fais plus rien pour toi, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que ça s'arrête, quoi? Et je ne comprenais plus Dieu. Et un jour, c'est arrivé une fraction de seconde, alors que j'essayais de prier avec des mots que je ne trouvais plus, tout à coup, le Seigneur me dit, mon fils, je t'aime. Ça fait du bien. Je savais déjà. Mais il a rajouté autre chose, il a rajouté, même quand tu ne fais rien pour moi. Alors j'étais abasourdi, j'ai dit, ok. Donc il y a des moments donnés aussi où Dieu nous porte. Et à ceux qui sont dans la dépression, à ceux qui sont dans des moments tellement difficiles que la vie semble plus compliquée que mourir, j'aimerais vous dire qu'il y a des moments aussi où Dieu nous porte, où Dieu nous transporte, où Dieu nous porte. Une belle image, j'ai entendu cet homme qui avait un songe où il voyait les deux pas, ses pas à lui et ceux du Seigneur marcher côte à côte sur une plage. Et c'était le Seigneur qui le portait. Et tout d'un coup, il n'y a plus qu'une paire de pas, il n'y avait que les pas d'une des deux personnes. Et il dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Et Dieu lui dit, c'est les jours où je t'ai porté. Amen. Dieu nous porte. Dieu nous aime trop. Vraiment. Dieu nous aime trop. C'est sur ces paroles d'encouragement qu'on va clore l'émission. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Et je vais te demander de prier, justement, pour ces amis qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin de voir la réalité de Dieu. Parce qu'il est là, mais il faut en être conscient. Et il y a des moments où cette conscience-là, elle se perd un peu. Les amis, en tout cas, on espère que le Seigneur travaillera encore davantage dans vos vies, dans nos cœurs. Nous sommes tous concernés. Et on va laisser Claude prier, justement. D'accord. Et puis se dire, après la prière, au revoir, je laisse prier, et puis on finira encore. Voilà, on va clore l'émission comme ça. Ça marche. Que Dieu vous garde, demeurez bénis, les amis, on vous aime. Et voilà. Allez, on va prier ensemble. Hein. Oui. Je vais prier pour vous avec ferveur. Ma compassion, mon amour vous rejoint. Et on va demander au Seigneur de vous aider maintenant. À tous celles et ceux qui traversent des moments difficiles, que ce soit la dépression ou des moments compliqués ailleurs, Dieu connaît votre situation et Dieu sait comment vous en sortir. Père, nous te bénissons que toujours à nouveau, tu es là, tu es présent dans nos quotidiens, dans nos réalités. Il n'y en a aucune qui t'échappe. Si tu comptes chaque cheveu de notre tête, combien plus es-tu au courant de ce que nous traversons comme difficultés économiques, familiales ou de santé? Seigneur, tu vois celles et ceux qui sont comme au bout du rouleau, qui ont besoin maintenant de te voir agir, qui ont besoin de voir la main de Dieu intervenir. Et bien, je te prie d'abord que dans leur fort intérieur, ils puissent retrouver un moment de paix, un moment de calme, qu'ils puissent être apaisés, qu'ils puissent choisir de rester dans le calme et la confiance en toi. Et je veux te demander que tu te révèles à eux. Comme tu t'es révélé à Cléopas et à son ami qui était traumatisé par ton départ terrible, par cette exécution, par l'effondrement de leurs rêves. Tous leurs rêves sont effondrés. Et pourtant, tu es venu les rejoindre dans leur réalité. Je te demande qu'ils puissent ouvrir les yeux, que tu leur ouvres aussi les yeux, Seigneur, et ouvre leur esprit, que dans ce qu'ils vivent autour, vivent au quotidien, qu'ils puissent voir ta main bénissante maintenant.
les aider à comprendre les Écritures, mais aussi à saisir ta présence et tes solutions pour leur vie. Je les bénis en ton nom, que la grâce, mais aussi la paix de Dieu inonde leur cœur et leurs pensées. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À bientôt les amis. Dieu nous aime profondément. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci opportune.